Hoy en día es un día de pura alegría, alegría por lo bonito que es esta película. Cualquier que la ha visto ha pasado un momento fantástico y después se siente un poco mejor y ve la vida un poco mejor de lo que es, especialmente en estos tiempos. En segundo lugar, porque como embajador de Francia me alegro mucho de que el público español haya acogido de manera tan entusiasta a esta maravillosa película. Me alegro que esto también tenga con tela de fondo una excelente colaboración entre los profesionales del cine francés y español. Le code culturel dans lequel on est et le créneau dans lequel on est très très simple à comprendre. Donc finalement, il traverse les frontières facilement. On se rend compte qu'avec le doublage, on arrive à aller un peu plus loin parce qu'on s'approprie l'humour, on le transforme dans la langue. Du coup, on est toujours dans un film français, mais on est quand même en langue espagnole. C'est un film qui a un sujet et un thème qui peut passer les frontières. Je pense qu'Intouchable, ça dit la France telle qu'elle est, c'est-à-dire qu'il y a une France du milieu où on voit François Cluzet se balader place Vendôme ou dans un très bel hôtel particulier du 7e arrondissement, mais on voit aussi Bondy avec une cité industrielle construite dans les années 60 avec une majorité d'immigrés et elle ressemble plus à toutes les grandes mégapoles qu'on connaît. Donc c'est aussi ce qui fait que ça traverse un peu plus les frontières. Après, sur les valeurs que ça génère, il y a quelque chose aussi de très français dans cette culture des deux mondes. Avec tous nos voyages, et là aussi en Espagne, ça nous donne aussi des envies peut-être, d'un peu ce qu'avait fait Clapiche avec l'auberge espagnole, de prendre des acteurs un peu des acteurs de plusieurs pays. Ça pourrait nous donner envie aussi d'employer des acteurs, des actrices ou des acteurs espagnols ou italiens ou allemands. Donc ça peut peut-être nous ouvrir des possibles qui sont très intéressants pour nous. Carmen Mora, qui est là, qui parle totalement français, qui a été dans un bon succès en France, Les Femmes du 6e étage, eh ben, on ne s'interdirait pas un jour de penser à elle comme actrice.